ولا يتم الحكم حتى يجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ولا يتم الحكم حتى يجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. Que le jugement ne peut être appliqué tant que toutes les conditions ne sont réunies ou que les empêchements ne soient ôtés. يعني قال معنى هذا الأصل أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم ومعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. Que tu ne peux appliquer un jugement sur une chose tant que tu n'auras pas réuni toutes tes conditions et que tous les empêchements ne seront pas ôtés. Ce qui aide à comprendre beaucoup de situations où on a des hadiths qui ont des jugements généraux et qui ont été mal compris par beaucoup de gens. فمن هنا وقع الضلال. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. Il n'y a pas de serviteur qui ne dit la ilaha illallah puis qu'il soit mort sur cette parole sans qu'il entre au paradis. Ça, c'est un hukm général. Donc, des gens ont compris le fait de dire la ilaha illallah, ça suffisait. On dit non, il y a des shurut également, il y a des empêchements qui font que cette parole-là peut être rendue caduque. Et ces shurut, il faut les connaître. Ah, il faut les connaître. Kadhalik. يقول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. Quelqu'un il vient مثلا il dit خلاص je fais salat. Comme ça. On dit est-ce que tu connais les conditions de la salat? Il dit non. T'as pas fait salat. Il dit pourtant là bien comme ça j'ai fait la salat. Il dit non. T'as pas fait l'ozo. مثلا tes vêtements ta aura elle est مثلا dévoilée. On voit tes parties intimes. Il y a des shurut. كذلك des موانع qui font que la salat, tu ne peux pas la faire. Par exemple, ce n'est pas son temps. Donc, il y a des mawani'a. Le fait de dire la ilallah, il y a des mawani'a qui font que tu ne peux pas. Quand il dit la ilallah, il fait du shirk. Il fait du shirk. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La ilallah, ça ne servira à rien. Il ne rentrera pas dans le hadith. Donc, il y a des takfir de personnes, tabdi'a de personnes, que les choulous soient remplis. Et comme un hujja, qu'il n'y a pas de jahel, qu'il n'y a pas de chubouha. Par exemple, tout ça, avant qu'un hukm ne soit appliqué, ne soit pris en considération. Il faut qu'on ait réuni toutes les conditions et que les empêchements soient ôtés. Et parmi la dilla de cette Yaqullah Azza wa Jal, on m'a kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasoula. Ils n'ont pas châtié, ce n'est après avoir envoyé un messager. C'est-à-dire que la personne a su la chose comme il se doit. À partir de là, un jugement peut être émis par rapport à la personne. Quand il a eu le ilm. Là, on parle dans ce qui concerne le takfir, le tabdir, ce genre de choses. Ou même le ism, tu as des gens, des fois, ils font des choses. Et le djahel fait qu'ils sont pardonnés. Il y a le djahel. Dans beaucoup de sujets. Donc, ça s'applique dans différents webs du djinn. Fil l'artiqadat, wa fi l'a'mal, wa kaza. مفهوم هذه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في سورة الإسراء.